Donc aujourd'hui, on va parler de la thématique des rendez-vous people ici au château de Châteaubriant. Châteaubriant était un château des marches de Bretagne. Donc c'est toute cette zone tampon qui faisait plusieurs kilomètres entre la France et la Bretagne. Donc château était une place forte importante, surtout ici en Bretagne, puisqu'on avait Poincé, donc une forteresse française qui était juste en face, une très très grande forteresse à l'époque. Et donc c'était toujours de Poincé que venaient les attaques sur Châteaubriant. Donc d'où l'importance de la place de Châteaubriant dans les marches de Bretagne. Châteaubriant, c'est vraiment un château où l'on pouvait recevoir des hôtes royaux parce qu'on avait la place et on avait ce confort en fait. Et on le voit très bien avec le logis, avec donc de très grandes fenêtres. On a également le logis à côté du donjon. Et il faut savoir quand même que Charles IX donc, est venu ici lors de son tour de France. Donc il a fait son tour de France entre 1564 et 1566. Donc c'était un très très long voyage. Et il est resté ici à Châteaubriant pendant 17 jours. Et c'est vrai que pendant ces 17 jours, le château était rempli. Il y avait du monde partout pour loger toute la cour. Il faut savoir que la cour, quand elle se déplaçait, il y avait à peu près 10 000 personnes. Pendant ce tour, en fait, souvent le roi aussi réglait des affaires politiques. Il ne délaissait pas le gouvernement. Donc il y avait aussi tous les membres du gouvernement qui suivaient la cour. Donc ça faisait beaucoup de monde à loger. La galerie, c'est très important puisque c'est par là que passent les invités royaux lorsqu'ils viennent au château en visite. Ils passent par la galerie, le bâtiment qui est juste là, et ils vont directement au balcon puisque du balcon, on a une très belle vue du jardin Renaissance et du donjon. Souvent dans les galeries, on trouvait des tableaux, des tentures, où l'on exposait en fait ses richesses, et donc il fallait pouvoir impressionner son hôte. Donc c'est pour ça qu'il fallait passer dans la galerie pour impressionner, et ensuite donc passer dans les bâtiments et le balcon.